J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, finalement, le jour est arrivé. Je suis trop contente de pouvoir partager avec vous aujourd'hui mes planches des tampons. C'est moi qui les ai dessinées. En fait, ça fait des années que je rêve avec ça et je pensais vraiment qu'il y avait un petit vide. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je voulais vraiment avoir un concentré de mots en français. Pour pouvoir faire des cartes, bien sûr, on peut faire du scrapbooking, du journaling, tout ce que vous voulez, mais sans besoin d'acheter 20 planches pour réussir à avoir des mots combinés et tout ça. Moi, j'essayais de faire utile. Vous savez bien que j'aime bien avoir plusieurs utilisations quand j'achète quelque chose et c'est ce que j'ai souhaité pour ces tampons. Alors, je vous les montrerai. J'espère que vous allez aimer. Ce sont des tampons assez simples avec peut-être un ou deux tampons qui sont un peu plus sophistiqués, qui vont se combiner avec des petites phrases simples. Mais je trouve ça joli. C'est mon style aussi. Ça correspond à mon style plutôt simple et un peu sobre. Mais vous allez voir tout ça. Je vais vous montrer des cartes. Je vais vous raconter un peu sur mon site aussi. On va voir tout ça ensemble. Merci beaucoup d'avance. J'espère que vous allez aimer. Je suis trop contente, vraiment. Ils sont là. Pour l'instant, il y en a trois. Il y a une de Noël qui est en cours. Merci. Je vous continue à voir tout ça ensemble. Alors, elles sont là. Je suis trop contente. Bon, il y aura après une petit ajout pour indiquer la marque et tout ça. Je vous dis tout de suite, je suis auto-entrepreneuse parce que j'ai une petite entreprise parce que je suis traductrice aussi et je fais des traductrices pour une entreprise. Alors tout ça, c'est dans la légalité. J'ai payé des impôts, j'ai payé les douanes, j'ai payé tout ce qu'il fallait. Et sur mon site, vous allez voir que tout est en ordre. Déjà, ça c'est très important. Après, bon, alors pour l'instant j'ai trois planches. Celle-là, je n'ai pas encore reçue, mais bon, normalement je reçois ce soir ou sinon demain, je pense. Ça c'est mon test. Et ces deux-là, elles sont bien sûr à disposition. Alors, comme je vous disais, plusieurs choses, je voulais combiner plusieurs écritures. Ça, c'est plutôt anniversaire et aussi un tout petit bout, merci, parce que je voulais mettre deux en un. Après, j'aurai une planche spécifique pour des mots pour de remerciements. Et aussi, oh, je ne peux pas parler. C'est l'émotion, je pense. Aussi, il y a gros bisous et scrap bis, je voulais ajouter ça. Ça, celle-là, c'est la première que j'avais fait. Après, vous avez des petits mots. Je vous montre des cartes après, mais c'était quoi mon idée de base, comme je vous ai dit dans l'introduction, c'est qu'on puisse combiner, qu'on ait des jolies écritures comme ça, qu'on puisse mettre un tout petit message à côté, mais alors on peut combiner ce message-là, il peut venir sur cette planche-là, parce que ce sont des petits messages qui vont, bah, un simple... Je sais pas, un simple bisou, un simple coucou, par exemple. Je vais vous montrer que moi, j'ai fait les combinaisons aussi pour essayer de vous donner une meilleure idée de ce que ça donne. Et regardez la quantité de tampons que vous avez sur une seule planche. Ben là, c'est parce que les mots sont grands. Regardez celle-là. La quantité, même le fournisseur qui m'a fait ces tampons, il rigolait avec moi parce qu'il me disait, mais c'est pas possible, vous voulez tout ça? Dans une seule planche, j'ai dit oui, ben, si c'est possible, moi j'aimerais vraiment qu'une seule planche. J'ai profité vraiment de chaque petit espace. Si vous voyez, j'ai passé pas mal de temps à faire ça pour essayer d'avoir le maximum de tampons sur une planche. Quand je vous dis que on peut faire plein de messages avec. Ma façon de le montrer plus facile parce que je ne pouvais pas faire une carte avec chaque message. Je vais montrer ça sur une vidéo. Alors, je vous montre par exemple cette planche-là.
Vous pouvez combiner, bah, vous pouvez mettre bon anniversaire, vous pouvez le mettre centré, pas centré, sur le côté, en haut vers le bas. C'est à vous d'assembler vos tampons comme vous le voulez et de pouvoir les combiner avec les différentes anniversaires qu'on présente ici. 1, 2, 3, 4. Et c'est ça que je voulais vous montrer ici. Regardez tout ce qu'on peut faire. Et bien sûr, après, si on change de place, on a encore d'autres possibilités. Avec cette seule planche de tampon, vous pouvez faire tout ça. Normalement, j'ai un grand merci. Je sais pas si vous voyez tout ce que j'ai essayé. Pardon, c'est le contraire que je voulais faire. J'ai ici, normalement, c'est assembler un grand merci, mais vous pouvez venir. Je ne sais pas si je l'ai fait déjà dans la mienne. Celle, je la trouve pas, c'est sûr. Quand je vais vous montrer quelque chose, je ne trouve pas mes choses. Elle est là. Alors, regardez. Je ne sais pas si c'était déjà séparé. Un grand. Alors, je l'avais assemblé avec un grand merci, mais vous pouvez utiliser avec celui-là un grand merci. Ou, je ne sais pas, un grand bisou. Et vous enlevez, vous simplement, vous ne tamponnez pas le S. Alors, il y a plein de possibilités pour assembler ces tampons. Ce sont des écritures simples parce que moi, j'aime beaucoup travailler, comme vous pouvez voir sur mes vidéos, beaucoup travailler plutôt les fonds des cartes ou d'autres choses et avoir des messages assez simples. Vous pouvez combiner, vous pouvez mettre que anniversaire et avec des lettres, des découpes, mettre le bon. Je vais vous montrer ça aussi sur... Je vais mettre mes tampons ici. Sur les cartes. Alors, c'est celle-là, c'est anniversaire. Qu'est-ce que j'ai fait comme carte que j'ai laissée ici derrière? J'ai pas eu trop le temps de faire beaucoup de cartes avec, mais c'est sûr que je vais continuer à faire des vidéos avec mes tampons, très probablement. Alors, c'est ce que je vous disais, j'ai tamponné sur du papier vélin avec de la poudre d'embossage dorée. Et j'ai mis le bon avec des dies et un peu de mousse 3D. Et ça, c'est une carte, si je ne me trompe pas, avec de feutre. Je pense que c'est de feutre alcool, il me semble, avec un tout petit peu d'eau et des éclaboussures de peinture. Un petit die, très joli die de Foreign Scrap. Des 4 en scrap, pardon. J'ai dit Foreign Scrap. C'est 4 en scrap, très très joli ces die, je l'aime beaucoup, beaucoup. Celle-là aussi. Là, j'ai mis merci beaucoup. Aussi, c'est un fond peut-être aquarelle. Et là, j'ai mis des fleurs, mais je suis restée qu'avec du blanc. Celle-là aussi, c'est un fond aquarelle. Mais regardez ce que je vous dis. Vous mettez un petit détail comme ça, un très bon. Je ne sais pas si on voit bien, parce que oui, là, on voit mieux, je pense. Sinon, j'avais toute la lumière qui s'est reflétée sur mes tampons. C'est pour ça que j'ai éteint la lumière. Un autre modèle du mois anniversaire. C'est ça aussi. Ça donne beaucoup de possibilités, les petits mots. Ça, c'est un autre avec un très joli die. Il me semble que c'est de la boutique In Love Arts, celui-là. Très joli. Un fond avec de feutre alcool. Il me semble que c'est papier photo, celui-là. C'est que ça que j'ai fait pour l'instant parce que je vous dis c'est assez récent. Je dois aussi m'occuper du site web, des vidéos. J'ai pas trop eu le temps, mais vous allez voir dans le futur beaucoup beaucoup de combinaisons de ces tampons-là. Après, j'ai celui-là. Je me perds entre toutes les choses que je vais vous montrer. Je sais que je parle beaucoup, mais je sais pas comment faire autrement. Vous m'excuserez pour ça. Alors regardez celle-là. Je vais pas vous ennuyer à vous montrer. Mais avec ces tampons-là, regardez toutes les pages que j'ai, c'est le même. Je ne vous montre pas tout là. Pardon. Je ne voulais pas trop vous montrer mon bazar à côté, mais bon, vous allez voir le bazar de toute façon. Alors, regardez tout ce que j'ai avec ce même tampon-là. Pour toi, ma scrapeuse préférée, pour toi, mon ami, je pense, là, c'est l'imprimante, je pense fort à toi.
toi et moi, je pense à toi, maman, pour toi, papa, parce qu'il y a toutes les combinaisons, pour toi, ma fille, pour toi, papy, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Il y a plein, plein, plein des possibilités avec la même. Il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. On parle d'une, il y a tout ça. On parle d'une seule planche qui vous permet de faire. Et ça, on est encore que sur cette planche. Ici, il me semble que j'avais mis des idées aussi avec des mots d'autres planches. Regardez, par exemple, je peux mettre avec la planche anniversaire, j'ai mes joyeux anniversaires. Et après, avec cette planche-là, j'ajoute pour toi. Alors, vous pouvez faire ça pour une carte d'anniversaire. Je trouve que c'est joli. L'écriture, elle reste simple, mais bon, c'est tout ce que j'aime moi. Je le fais vraiment pour me faire plaisir moi. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes comme moi. Vous me suivez pas mal et vous me dites que vous aimez mes cartes. Alors, je pense que vous allez aimer aussi ces types de tampons qu'on peut vraiment utiliser d'une façon impressionnante. T'es mon amie préférée au monde, tu es ma scrapeuse préférée au monde, t'es ma maman préférée. Oh, on a aussi, j'ai même pas, oui, ici, tu es spéciale, tu es adorable, tu es irrésistible, tu es incroyable. J'ai fait une carte, je vais vous montrer avec cette planche-là. Alors, je suis venue ici. Il y en a deux, elle est où celle-là. Avec le fond de cette carte, il est fait avec toutes les phrases de cette planche, adorable, incroyable, spéciale, irrésistible. Et après, j'ai mis, tu es tout simplement génial. On peut facilement, très facilement enlever ou mettre un tout petit bout de scotch sur quand on va tamponner pour tamponner génial comme ça. Alors, on peut découper aussi, il faut pas avoir peur à découper les tampons clear, on peut les découper. Simplement, il faut faire attention. Pour ça, je mets maintenant mon tampon dans une petite enveloppe comme ça, parce que des fois, comme là, il s'agit des tout petits bouts de tampons. Pour pas les perdre, c'est mieux de le garder comme ça, même si vous les mettez sur le rhodoïde. Pour être sûr de ne pas perdre de tampons, vous les gardez dans une petite pochette, parce que là, il s'agit des tout petits bouts de mots, mais vous pouvez découper, simplement utiliser un mot. C'est vraiment, vraiment très, très utile et peut être utilisé des mille façons. Celle-là aussi, elle est faite avec cette deuxième planche. Je pense fort à toi. Je ferai après beaucoup de vidéos avec mes tampons, mais là, je vous présentais plutôt les tampons. Tu es toujours là pour moi. Et là aussi, pour ces côtés-là, j'ai utilisé mes phrases pour faire un peu le fond. C'est celle-là. Je l'aime beaucoup, celle-là. Moi, j'adore tous les. Je ne sais pas comment on appelle tout ça en français. C'est en anglais. Je pense que c'est comme de swirls. J'aime beaucoup, vous me direz. Alors, tout ça, c'est avec cette planche. Là, c'est avec la planche combinée. Et il y a une troisième planche. Pour l'instant, qui est par là, et c'est plutôt bonjour. Pour celle-là, c'est trop marrant, je vais vous dire tout. Parce qu'en fait, quand j'ai fait au début mon design, j'avais mis et bisous ensoleillés. Alors, après, j'ai changé bisous par bise et j'ai pas fait l'accord. Alors, c'est horrible, je sais, là, on a une faute d'orthographe. Mais justement, par exemple, j'ai belle journée. Je sais que moi, dans ma mienne, celle-là, elle est neuve. Mais dans la mienne, j'ai découpé ici. Alors, je peux mettre ici mon EE et l'ajouter à la S. Je sais, non, j'ai pas une carte, malheureusement aussi. Non, je ne sais pas si j'ai pas. J'ai une carte avec Ebis ensoleillé avec bien écrit. Alors, vous m'excuserez, là, il y a la toute petite faute d'orthographe. Mais bon, ça arrive aussi. Après, j'ai dit à mon mari de vérifier chacune de mes planches, parce que c'est pas possible. Normalement, j'ai une bonne orthographe, mais là, bon, c'est parti comme ça. Pour celle-là, regardez tout ce qu'on peut faire aussi. Alors, avec ces petites branches, regardez, on peut faire un très joli cercle. Je trouve que c'est très
très créatif. C'est vrai que il y aura, je sais qu'il y aura des gens qui aiment pas, qui aiment prendre un tampon et le tamponner comme ça et c'est tout. Mais moi, j'aime aussi l'idée de pouvoir être créatif avec les tampons et avoir des possibilités presque illimitées en combinant les mots d'une seule planche. Avec une seule planche, vous pouvez faire. Regardez, tout ça, c'est avec cette planche. Ici, c'est beaucoup plus graphique, beaucoup plus style moderne. Ici, c'est un peu plus roman. Tout ça, c'est avec cette planche-là. Ben là, je vous la présente. Je ne l'ai pas encore reçue. J'espère la recevoir bientôt. C'est ma planche pour Noël aussi. Regardez tout ce que vous pourrez faire avec une seule planche. 4 pages avec une seule planche. Ah oui, avec celle-là, je ne vous ai pas montré des cartes. Je n'ai pas fait encore grand-chose. Ben, les cartes que vous avez vues sur ma dernière vidéo, c'était avec cette planche-là, le bonjour et le hello. Ah bah si, non, j'avais eu autre chose. Ah oui. J'avais aussi ici. Bah ici, en fait, c'est combiné parce que là, j'ai pris le coucou de cette planche. Et mamie, je pense à toi, c'est ici. Ici, on a mamie. Je pense. Bah, je n'ai même pas mis fort à toi. Je dis, je pense à toi, elle doit être quelque part. Je ne sais même pas où j'ai enlevé simplement. J'ai mis, je pense à toi. Alors, vous voyez comment on peut jouer. Moi, j'aime bien ce type de. Des possibilités, celle-là aussi, un très bon anniversaire pour toi. Là, j'ai combiné la première, non, pardon, l'anniversaire. Et celle-là. Je pense dans le futur, très bientôt, mais c'est parce que je vous dis, c'est quelque chose de très nouveau pour moi. Je travaille sur le site, je travaille sur les planches. Je pense que je pourrais vous donner ces idées-là. Je vais probablement les mettre sur mon site. Après, pour que vous ayez un peu d'idées, comment je combine. Mais c'est assez facile, en fait. Je prends un mot et je viens le combiner. Ben, je prends un mot et je viens le combiner. Tu es simplement génial. Tu es toujours là pour moi. Tu es spécial. Tu es tout pour moi. Et vous pouvez jouer aussi avec les positions et faire des très jolies choses. Alors. Normalement, je vous dis, j'ai pris du temps aussi parce que je suis assez perfectionniste. J'ai essayé plusieurs fournisseurs et j'ai choisi la personne que je trouvais qui m'est donné la meilleure qualité. Pour ceux que je voulais, j'ai eu du mal. Je voulais au début les faire fabriquer en France. J'ai perdu peut-être 15 jours en cherchant. J'ai envoyé pas mal de mails. J'ai pas trouvé de fournisseur en France. Ces tampons sont faits en Chine. Je veux rien vous cacher non plus. Là, dernièrement, peut-être il y a un mois, j'ai trouvé aussi des gens qui font des tampons de très bonne qualité en Angleterre. Mais bon, c'est sûr que les prix, c'est pas le même. Mais bon, on verra. C'est pas. Je suis pas fermée à faire aussi après ou à basculer ma fabrication sur l'Europe. Alors on va voir, mais je vous dis pour l'instant, ce sont des tampons faits en Chine, mais impôts payés, douane payée et tout ce qu'il faut. Et qualité vérifiée, je suis très contente. Et c'est pour ça aussi que vous allez voir un prix, hein, je trouve très 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 accessible. Chaque planche, je la vends à 7,99 €. Alors, si ça vous intéresse, je vais vous montrer maintenant un petit peu le site, comment ça fonctionne. Je vous montre le site. Je vous montrerai plus le site en détail sur une autre vidéo, je pense, en milieu de semaine, si je peux. Mais là, ce qui nous intéresse éventuellement, à vous peut-être, ça va être les tampons. Alors, vous simplement, vous allez créer un compte comme on fait dans les. Bon, je l'ai fait déjà dans mon panier, bon, c'est pas grave. Vous allez créer un compte. Moi, j'ai fait un compte test simplement pour vous montrer.
Vous venez à mes tampons. Là, il y a normalement les trois tampons. Celui-là, je ne l'ai pas encore reçu au moment où j'enregistre la vidéo, mais normalement pour dimanche, ça va être bon. Mais disons que je vais acheter celui-là. Alors, je viens l'ajouter simplement au panier. J'ai mon panier et je passe la commande parce que j'avais deux en fait. J'avais un autre que j'avais déjà ajouté. Et là, je peux commander. Je vais les envoyer en lettre suivie. En France, c'est ces prix-là. Sinon, ça sera un tout petit peu plus cher si c'est pour le reste d'Europe, éventuellement Suisse ou Belgique. Là, vous passez commander. Et après, bon, il y a vos adresses et vous mettez votre adresse. Et faites pas. On va continuer. Ce que je vais vous montrer, c'est que il y a la possibilité de payer. Là, il y a les modes de livraison. On va continuer. Ce que je voulais montrer, c'est la possibilité. Vous pouvez payer par virement bancaire ou par PayPal. Mais maintenant, pour payer avec PayPal, ce n'est pas nécessaire d'avoir un compte PayPal. On peut payer simplement directement avec la carte. Alors, ne vous, ne, que ça nous fasse, ça vous fasse pas peur. Je peux mettre continuer avec PayPal. J'ai lu les conditions générales de vente. Il faut cliquer ça sur tout site pour passer une commande. Et ce que je vais vous montrer, c'est l'écran de PayPal. C'est un peu lent. Mais là, regardez, vous avez soit mon compte, je peux avoir un compte avec PayPal, ou simplement je mets payer par carte. Et là, on est sûr, bon, PayPal, c'est même pas ni moi, ni mon logiciel qui enregistre les numéros des cartes. Là, c'est di directement PayPal. Alors, simplement, vous allez mettre vos numéros de carte et vous pouvez payer. Regardez ici, il y a le petit cadenas qui vient vous dire que ce sont des sites sûrs pour faire des achats. Alors, je voulais simplement vous montrer ça. Voilà, j'annule ma transaction parce que je ne vais pas le faire. Mais c'est pour que vous sachiez ça. Vous pouvez sinon aussi payer par virement bancaire. Moi, je vous mettrai les tampons de côté. Et une fois que l'argent est validé sur mon compte, vous aurez l'information du compte pour faire le virement une fois que vous avez validé ce type de paiement. Et sinon, éventuellement, contactez-moi aussi par mail et on fera ce qu'il faut pour que vous puissiez payer si vous voulez absolument pas payer par carte. Alors, vous pouvez me contacter sans problème. Aussi, je voulais vous dire deux petites choses avant de vous laisser pour aujourd'hui. J'ai trop parlé, je sais. Si vous vous abonnez ici au newsletter, vous avez simplement à mettre votre mail et parmi toutes les abonnées en fait, parmi toutes les personnes, pardon, qui vont venir s'abonner à ma newsletter. Pour le mois qui reste de septembre, les jours qui restent septembre et octobre, je vais venir, je vais faire un tirage au sort et je vais venir offrir trois planches de Noël à trois personnes. Alors, si ça vous intéresse aussi, c'est une façon d'essayer de gagner la planche de Noël et aussi, bien sûr, pour les personnes qui vont faire des achats, c'est sûr. Alors, abonnez-vous ici. Et autre chose très importante, pour celles qui veulent les trois planches d'un coup, alors j'ai fait une offre spéciale de lancement de mon site. Je suis trop contente, je me sens un peu bizarre en disant toutes ces choses un peu commerciales là parce que c'est pas trop mon truc. Mais si vous achetez les trois d'un coup, déjà il y a 1 € de moins parce que là c'est 8 fois 3, c'est 24. Et là, ici, je fais à 23. Et en plus, je vais l'envoyer en lettre suivie gratuitement. Alors, c'est une autre possibilité si vous voulez les trois planches d'un coup.
Et c'est aussi une façon de vous remercier toute votre gentillesse. Ici, on voit le petit message de bise ensoleillée que je vous disais. Et là, je vous présente d'autres cartes et les planches. J'espère que vous allez aimer. Je vous dis à très bientôt avec d'autres cartes et ces nouvelles planches de tampons. Faites-moi vos commentaires, s'il vous plaît, et allez visiter le site. Gros bisous, bonne semaine. Merci, ciao, ciao.